de procéder à la fermeture de la centrale nucléaire. En 2012, le gouvernement du Parti québécois annonçait la fermeture de Gentilly 2, estimant sa rénovation trop coûteuse. 11 ans plus tard, le nouveau PDG d'Hydro-Québec, Michael Sebia, songe à faire machine arrière. Dans une déclaration écrite, la Société d'État indique « Une évaluation de l'état actuel de la centrale est en cours afin d'alimenter nos réflexions sur l'offre énergétique future du Québec. Il serait irresponsable à ce moment-ci d'exclure certaines filières énergétiques et prématuré de tirer des conclusions. » C'est juste le début d'une étude pour voir s'il y a un potentiel. L'adjoint parlementaire du ministre Pierre Fitzgibbon reste prudent, mais digère toujours mal la fermeture de la centrale. Ce que j'ai jamais accepté, c'est qu'on prenne une décision aussi dogmatique à l'époque. 900 emplois. Il y avait une espèce de fierté, notamment dans la collectivité de Gentilly. À l'Assemblée nationale, d'autres députés se montrent toutefois beaucoup moins nostalgiques. On ne comprend pas basé sur quoi. Il n'y a pas un chercheur qui a mis ça de l'avant. Il n'y a pas les bribes du début d'un plan. Un retour en arrière est-il techniquement possible? Et surtout, combien en coûterait-il? L'analyse le précisera. Mais déjà, cet expert doute que l'opération puisse être rentable. Aujourd'hui, on est engagé dans un processus de fermeture. Les coûts ont augmenté dans tous les projets d'infrastructure. Donc, on pourrait imaginer des coûts de l'ordre de 15 à 20 cents le kilowattheure. C'est beaucoup plus cher que ce que d'autres options permettraient. Dans la région, les avis sont partagés. Est-ce qu'on a besoin de ça? On a vécu avec pendant de longues années. Alors... ça ne changera pas grand-chose. Pas bien, bien pour ça. Il faudrait qu'ils pensent essayer d'en envoyer moins à l'extérieur puis garder ce qu'on a, nos ressources. Dans un contexte de changement climatique, bien des experts voient l'énergie nucléaire comme un moindre mal en comparaison aux émissions de gaz à effet de serre des énergies fossiles. D'autres s'inquiètent toutefois pour la sécurité des centrales et l'entreposage à long terme des déchets radioactifs. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec.